Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance, la guidance de ce 4, pardon, de ce 4 octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors voilà, donc j'ai réorganisé mon bureau et j'ai trouvé les fameux comment on appelle ça, pour mettre les cartes dessus, je ne sais plus comment on appelle ça. Chevalet, les petits chevalets. Alors j'en ai acheté 4 pour mettre les énergies du tarot, pour mettre c'est lequel ça, le chariot. Ah. Pour mettre l'oracle des nombres. Comme c'était un lot de, c'était à dedans, donc voilà. C'est parfait, j'étais bien contente. Au moins ça devrait tenir. Alors, puisque c'est la figure, et là on va bien les voir. Alors vous me direz si l'angle de vue vous convient, parce que quand on change comme ça, on a du mal à se réorganiser, c'est pas génial. Allez, les énergies de ce mardi 4, les amoureux, enfin les, non, l'amoureux, alors je sais pas si les 4, oui, ben ça tient, si ça tient, l'amoureux c'est le choix de faire quelque chose, voilà. Voir un choix. Et le chariot qui était tombé tout à l'heure. On avance avec le chariot. On va faire un choix pour avancer, normalement. Le chariot, c'est ça. C'est le contrôle, la volonté, le progrès, la réussite, la confiance en soi et on avance. Bien. Et le choix, c'est que, bon, ben, on va peut-être avoir plusieurs possibilités. Et il va falloir faire le bon choix. C'est surtout ça. C'est pas tout d'avoir un choix, mais il faut avoir le bon. Allez, donc avant de faire celui-là, je fais l'oracle des nombres. Hop. Oracle des nombres. Moi aussi, il va falloir que je me réadapte à ce changement de bureau. C'est pas mal avec les petits chevalets comme ça. Je les ai bien devant moi. L'amoureux, le chariot. Bien. Bon, les énergies, c'est pas mal pour le moment. Ça va peut-être la bonne semaine, hein, parce qu'alors hier, on a eu des énergies splendides. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma guidance hier. Persévérance. On a 32. Ah, persévérance, ben oui. Faut pas laisser tomber. Même si ça ne va pas, il faut persévérer. Allez, la persévérance. Ouh, que j'aime bien. Alors, la persévérance vous dit, vous devez accepter un changement. Voilà. Dans votre situation et vous y adapter. C'est ce que j'ai fait avec mon bureau. Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Conservez foi et patience. Ayez confiance en vous et développez votre sagesse. C'est ça. Faire avoir sa confiance en soi. C'est le chariot qui vous le dit. J'apprends à m'adapter aux circonstances et je fais une chose à la fois. Je développe mes qualités de patience et de persévérance parce que je sais que chaque étape est nécessaire pour atteindre ma liberté d'être. Waouh. Bon. Persévérance, une chose à la fois, on reste sur ses positions, et en dos c'était l'imagination, ben, c'est bien, c'est ça. Allez, cette guidance, c'est parti, hop, il n'y en a plus dedans, non, la guidance de ce 4 octobre 2022. Guidant, oh là, piou piou, oh, ah non, hein. Pas le, je vais pas de la du serpent, hein. Non, me fiche la paix un petit peu ce serpent, hein. Allez, les persévérances, les amoureux, le chariot, allez, on avance, on fait un choix et on persévère. C'est parti. Hop. Ah oui, mais par contre, c'est tout à l'envers. Il va falloir que je remette tout comme il faut.
Parce que là, je suis partie comme ça et la caméra fait de l'autre côté. Donc, il y a encore un réglage à faire. Bon, allez, pour 9, s'il vous plaît. Pour 9. 6. 7. Juste par là, peut-être. 8, et ben voilà, 8 et 9. Deux qu'ils ont voulu rentrer en même temps. Par contre, il va falloir que je m'achète un autre tapis. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je vais arriver à... Oh, l'ours, l'argent, la force. Bien avec la clé, solution. Un peu moins bon avec le fouet, la lettre, le cavalier, une visite peut-être. Ouais. Bon, c'est pas moche. On a quand même l'argent qui vient, donc c'est pas mal. Allez, en dos, c'est pas mal. Centré, au centre de ce 4. Ah, on puise. On puise dans ses idées, on puise en soi-même, on cherche une vérité peut-être, ou une façon de faire qui serait plus adaptée. Ah, moi qui disais que j'en voulais pas. Première lettre. Bon, première lettre, première carte. On va faire avec, hein. Allez, le renard. C'est pas mieux le renard, à moins que ce soit du travail. Le changement, cercueil. Oh là là, c'est quoi ça? La croix, le blocage, ben, je crois que autant hier c'était nickel, autant aujourd'hui j'ai sorti toutes les cartes les plus mauvaises. Et la faux, et allez, on continue. La boussole et la maison. Ben, c'est pas au bout. Il y a des blocages, il y a de la transformation, il y avait de la peine ou il y a encore de la peine ou de la tristesse. On coupe avec quelque chose, donc on coupe avec... Ben, en fait... C'est bien, parce que on a les serpents, on a la tristesse avec la croix, la lourdeur, les choses qui se sont mal passées et autres, et on coupe. Donc je pense que si on avait des gens qu'on ne veut plus voir, si on a de la tristesse qu'on ne veut plus en avoir, et bien justement c'est bien, parce qu'on coupe avec tout ça. Mais alors d'un coup, net, plouf, on n'en veut plus. On se met en mode ermite là et on se dit bon ben, ceux-là je veux pas les voir, cette tristesse j'en veux plus, voilà, on se fait un chariot en fait. Le chariot c'est ça, hein. C'est avoir de la confiance en soi, d'être dans le contrôle, on contrôle ses émotions parce que le puits c'est quand même tout ce qui est émotif, hein, c'est tout à l'intérieur. Et ce blocage c'est pareil, on était bloqué par cette tristesse et on pouvait pas avancer. Donc en fait ben, toutes les cartes mauvaises sont sorties quasiment, mais on voit qu'on coupe tout. Donc, on passe à autre chose. Et c'est ce que fait le changement. Le cercueil vous dit ça. Vous coupez une mauvaise situation pour en retrouver une plus belle, plus harmonieuse, plus comme vous voulez. Et donc, avec le renard, c'est soit c'est des personnes aussi qui étaient malsaines. Donc, en fait, avec le serpent, les deux, ils étaient liés. Et on voit bien qu'on puise dans tout ça pour enlever tout ce mal-être, quoi, en fait, hein. Cette transformation, ce blocage qu'on avait. Et avec la maison, alors, je vais voir, je vais le faire avant de dire une bêtise, parce que, avec le mauvais gens, la puise et la maison, on a peut-être dans son domicile des gens qu'on n'accepte plus, hein. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais recouvrir. Alors là, par contre, il faut recouvrir, hein, parce que... Et on voit un changement de direction. Ouais. Donc, l'amoureux nous va peut-être nous demander peut-être le choix de... Soit de rester dans ce système-là, de mal-être, de gens qu'on ne veut pas voir, de tristesse, soit bah, de s'en aller direct. Hein. Ouais. Alors, sur les serpents. Sur le serpent. Oh, le serpent, c'est le serpent. Alors là, on ne peut pas dire. Hein. C'est pas beau. C'est des gens... Alors, on dit aussi que le serpent, ça nous aide à changer de peau. Mais... oh, je crois que j'en ai une de retournée. Ouais. Oh, mais il y en a deux. Il n'y en a pas plus. Non, deux. Deux qui se sont retournés sur le renard. Donc, le renard, on vous dit de changement de direction qui va vous apporter de cette joie. Faire un choix qui va vous apporter la joie. Donc, alors, je ne sais pas si c'est le travail ou une personne de malsaine.
Mais là, je pense qu'il y a un sacré changement de direction, hein. Heureusement qu'on est bien attaché dans son chariot, parce que je crois qu'on ne va pas y rester longtemps, hein. On va prendre la poudre d'escampette, vite fait, bien fait. Allez, le changement, eh bien, la faux. Donc, on coupe bien avec une situation. L'ancienne situation, on n'en veut plus du tout. La croix. La croix. La croix, c'est la lune. On espère, oui, c'est ça. La lune, c'est l'espérance, c'est tout ce qui est à l'intérieur, les sentiments, les émotions. On ne veut plus ces émotions. C'est pour ça qu'on coupe avec toute cette situation malsaine. On a des gens autour de nous qui ne sont pas corrects, hein, qui veulent plus de mal que du bien. Donc, pour le puits, c'est la solution. Donc, la solution est en nous, en fait. Enfin, est en vous ou est en nous. Enfin, mettez comme vous voulez. Pour cette journée, on va comprendre que la solution, et il n'y a que nous qu'on peut apporter cette solution. Alors pour moi, ça serait pour un départ, parce que si on reste là-dedans, waouh! Alors le blocage, ben oui, ça mine, hein, c'est sûr, hein. On a des blocages, on n'arrive pas à se défaire de tout ce truc-là, de toutes ces mauvaises intentions, de ces mauvaises énergies. Alors, la coupe. Avec la faux, on met quoi sur la faux? On met le soleil. Donc, c'est bien la situation qu'il faut adapter. Donc, le choix que vous avez à faire, c'est justement, bah, le choix, c'est simple. Vous avez soit rester dans ce mal-être, hein, dans cette tristesse, dans ces gens qui vous veulent pas du bien du tout. Ou alors, bah, tout simplement, bah, prendre sa valise et partir. On coupe avec tous ces gens, hein. Ne plus voir toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, surtout, et qui vous empêchent d'avancer. Il y a le blocage là. Allez, sur ce, la boussole là. La boussole, la boussole, et ben le changement. Ouais, c'est bien ça. Changement de région, changement de vie, changement de lieu, changement de tout. Faut s'éloigner de tout ce négatif. Et la maison, c'est le contrat. C'est la seule solution que vous avez à adapter, c'est vous changer de maison. C'est l'union, l'association. Et ben voilà. Et la croix qui est encore là. Hein. Donc elle s'adapte là, hein. Elle est ancrée cette croix. Hein. Donc il n'y a qu'un courrier. Alors peut-être qu'avec un courrier ou une visite, vous arriverez peut-être à échapper à tout ça. Eh ben, autant hier c'était super, autant aujourd'hui, waouh, c'est bien que la solution vous la donne là. Hein. La seule solution, vous pouvez la puiser en vous, mais la solution aussi, ça serait de couper et de retrouver son énergie, hein. L'énergie de savoir ce qu'on veut faire de notre vie. Hein. Voilà. Soit on reste dans cette mélasse et puis ben, on y restera bien encranché. Soit on prend l'idée de, voilà, de laisser tomber tout ce qui nous ennuie et de faire notre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de la persévérance. Parce que ça ne va peut-être pas se faire en un jour tout ça. Hein. On ne peut pas dire on se lève le matin, allez hop, je fais mon baluchon, je m'en vais. Bon, il y en a qui le font. Ben, voilà, certaines personnes n'y arrivent pas ou ont des contraintes autres. Donc avec la persévérance, on sait qu'on va arriver à se dégager de ce mauvais pas, on va dire. Alors, pour les heures miroirs, parce que j'ai toujours pas. Je ne veux pas faire l'oracle du miroir parce que je ne l'ai pas encore nettoyé. Donc, il faudra peut-être que je fasse ça. J'ai tellement de choses à faire en ce moment que. Ouh, alors. Les petites heures miroirs pour ce mardi 4 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut laisser tous ces gens malsains de côté? Toute cette tristesse, ces angoisses, cette lourdeur. Et il n'y a que dans la maison qu'il y a un contrat. Donc peut-être qu'en trouvant un autre lieu de vie, ça va vraiment s'améliorer. Ben, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien que ça s'améliore. Alors, la bienveillance. Alors, la bienveillance.
Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Et c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est votre solution. C'est la seule qui vous donnera la clé. Change de direction. Voilà, on vous dit là, clairement, change de direction. C'est les deux lames les plus adaptées. Hein. Change de direction. On va mettre ça comme ça. Voilà. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie. Il est là, le chemin rempli de joie. Et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, c'est parfait, ils sont avec nous là-haut. La prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Ils sont beaucoup là, hein. On ne peut pas dire. Hein. La trahison avec les deux là. Plus, lui, je pense que ça aussi. Une personne de ton entourage cache son jeu. Ouh, que c'est dur à dire ça. Et se moque de toi dans ton dos. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. Une seule solution, c'est de trouver au fond de soi la bonne solution. Voilà. Il y a la solution qui est là. Et c'est en nous. C'est en fond de soi qu'on arrivera à trouver la solution. La solution de partir, la persévérance, on persévère, on arrive à ses fins et ça sera le choix. Voilà. Le bon choix, c'est celui-là. Couper avec ça pour retrouver ça. Voilà. Et B, c'est très bien. Et là, c'est pareil. Hein, si vous avez le choix de vous acheter une maison ou autre, l'union, la maison, ça, c'est très bon. Hein. Donc, je pense qu'il faut changer aussi ça. Hein. Changer de domicile, changer de région, changer de tout. Bon, ben voilà, ben écoutez, c'est pas mal du tout ça, hein. On va pouvoir souffler un petit peu. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait décider à faire les choses. Et puis donc, ben n'hésitez pas de liker, de vous abonner, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, de partager aussi, et puis de... Bah, plus d'abonnements, hein. C'est parfait, ça fait monter la chaîne, ça fait perdurer la chaîne. Et puis, moi, ça m'encourage dans mon travail. Ça fait toujours du bien. Et puis des petits likes aussi, j'aime bien. Voilà, ben écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Là, bon, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien du tout. Tout le conseil, c'est de vous porter au mieux et puis de réfléchir sur votre vie. Voilà, bonne journée. À demain. Au revoir.